Sarah Grappin accuse de viol le réalisateur Alain Corneau. Nadine Trintignant prend la défense de son mari décédé. Après les accusations de Judith Godrèche à l'encontre des cinéastes Benoît Jacot et Jacques Doyon, c'est au tour de Sarah Grappin de sortir du silence. La comédienne accuse le réalisateur Alain Corneau de viol et d'agression sexuelle. Nadine Trintignant, sa veuve, a, elle aussi, pris la parole pour prendre la défense de son époux décédé. Le 6 janvier dernier, Judith Godrèche a décidé de briser le silence au sujet de la relation d'emprise qu'elle a vécue alors adolescente avec le réalisateur Benoît Jacot. Elle avait 14 ans à l'époque, alors que le cinéaste en avait, quant à lui, 40. La maman de Tess Barthélemy a décidé de déposer une plainte pour un viol avec violence sur mineur. Elle a expliqué dans ses avoues J'étais quand même dans une espèce de tour. C'était un peu mon Dieu et le Dieu, je pense, de toutes ces femmes. Depuis les révélations de l'actrice, d'autres femmes ont pris la parole et Judith Godrèche a également porté plainte contre Jacques Doyon pour viol sur mineurs. Une source proche du dossier aurait indiqué à l'AFP que les investigations confiées à la Brigade de protection des mineurs portent précisément sur les infractions de viol sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, viol, violence par concubin, et agression sexuelle sur mineurs de plus de 15 ans par personne ayant autorité. Anna Mouglali et Isilde Lebesco, deux autres actrices, ont. Elles aussi, accusées, respectivement, Jacques Doyon d'agression sexuelle en 2011 et de chantage sexuel en 2000. Pourquoi personne n'intervient Motivée par les récentes révélations de toutes ces femmes, la comédienne Sarah Grappin a décidé de prendre la parole. Ce mardi 13 février, elle a dénoncé une relation d'emprise avec le réalisateur Alain Corneau dans les années 1990 alors qu'elle n'était âgée que de 16 ans et lui 52. L'actrice assure, dans les colonnes de l'Obs, qu'elle aurait été victime d'agressions sexuelles et de viols. La relation commence en 1994 pendant la préparation du film Le Nouveau Monde. Elle n'a alors que 15 ans, et Alain Corneau l'appelle Ma princesse. À l'abri des regards, le réalisateur l'emmène dans un coin à la fin du tournage et lui demande Est-ce que tu veux m'embrasser Elle affirme ensuite avoir subi une agression sexuelle toujours sur le tournage, et avoir vécu une relation émaillée de viol pendant un an et demi d'un rapport pervers. Il m'appelle sur le fixe. Mes parents trouvent ça bizarre, mais ils sont flattés, c'est elle souvenue souvenu toujours pour l'obs. Et de questionner, il m'embrasse à pleine bouche devant la librairie de Paris ou dans le métro et même à l'époque, pourquoi personne n'intervient J'ai 16 ans et lui 52, c'est forcément un rapport vertical, souligne-t-elle. Face aux accusations de Sarah Grappin, Nadine Trintignant, la veuve d'Alain Corneau décédée en 2010, a tenu à prendre la défense de son époux lors d'un appel téléphonique à nos confrères de l'Obs. Ces bêtises-là, j'en entends de tous les côtés, pas du tout sur Alain, mais sur plein de gens et je ne veux pas participer à tout ça. Tout ça est ridicule. Ce n'est pas contre vous, mais c'est contre la façon que les gens ont de dire n'importe quoi. Je n'ai pas envie qu'on dise n'importe quoi, surtout sur mon mari, qui est mort et ne peut plus se défendre, a-t-elle tenu à déclarer. Affaire à suivre.